Regardez, on part du côté de Firminy. On a reçu un petit mail très rapidement. C'est une ceinture. Regardez-moi ça, regardez ces images. Ça s'est passé le 9 janvier. Et il faut savoir que Farid Slimane du Karaté Club de Firminy a obtenu le grade de la 6e dame de karaté. Wow. Wow. Et pour fêter ça, un 9e dan est venu, c'est Jean-Pierre Lavorato. C'est venu de partout, de toute la Loire pour assister. C'est un peu le Zidane, je vais vous dire, du karaté. Ah oui, c'est clair. Exactement. Zidane, c'est... Si vous voulez bien, on écoute Farid Slimane qui nous explique pourquoi c'était exceptionnel ce rendez-vous. Donc on a le plaisir et l'honneur d'accueillir, comme depuis 4 ans, donc Jean-Pierre Lavorato, donc qui est 9e dan, expert fédéral. Donc il n'y a que 4 Français qui sont 9e dan. Donc c'est un plaisir pour nous de l'accueillir, de recevoir son enseignement. Donc c'est un élève direct de Maître Kazé, pour ceux qui connaissent le karaté, savent ce que ça veut dire. Il y a au moins une dizaine de clubs, donc plusieurs venus de la Loire. On avait des personnes qui sont venues de Lyon, de Saint-Symphorien-d'Anjon, de Grenoble, donc on a des personnes qui viennent un peu de loin et surtout on vient pour partager du plaisir parce que bon, c'est pas seulement l'enseignement, c'est aussi partager avec Sensei Lavorato dans un stage où, avec moins de monde que dans les grands stages régionaux, donc il est plus accessible pour tout le monde. Et nous restons dans les